Je m'appelle Pierre Van Cutsem, je suis professeur à l'Université de Namur en Belgique et directeur de l'unité de recherche en biologie cellulaire et moléculaire végétale. Et je suis à l'origine de la recherche qui a mené à la création de la spin-off Phytofend en 2009. La spin-off Phytofend s'est tout d'abord installée dans les locaux de l'université, dans le laboratoire ici même. Puis après quelques années, elle a déménagé vers un centre technologique à une dizaine de kilomètres d'ici où l'usine a été installée. La découverte du stimulateur des défenses des plantes est le résultat d'une longue recherche fondamentale. C'est une recherche dans un domaine qui est peu connu de la biologie des plantes, à savoir la paroi cellulaire. La paroi cellulaire des végétaux contient une proportion importante de pectine. C'est un polymère de sucre chargé négativement. Alors en 2001, j'ai eu l'idée de combiner des fragments de pectine chargés négativement avec des fragments de chitosan chargés positivement. J'ai obtenu un financement régional pour entamer l'étude de cette interaction et ça a mené au concept de stimulateur des défenses des plantes basé sur le Kosoga. Nous avons introduit un brevet mondial fin 2006 et très rapidement l'Université de Namur nous a accordé une licence exclusive pour créer Phytofend en 2009.